Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser ces petits cochons. Donc c'est des petites peluches. Voilà. Regardez, je vous les montre bien. Donc pour les réaliser, il vous faudra de la laine. Donc moi j'ai utilisé de la laine de 3,5, mais je l'ai doublée. Donc il y avait marqué sur l'étiquette 3,5, 4. Je l'ai doublée. Et de la laine rose, la même chose, 3,5, 4, je l'ai doublé pour faire le nez. Donc après le jaune, moi je vais utiliser du jaune, mais après vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez puisque c'est des petits nounours, donc faites-vous plaisir. Ensuite, de la laine noire, un tout petit peu pour faire les yeux. Donc moi j'ai utilisé pour faire les yeux, vous pouvez utiliser des boutons ou des perles, ça c'est votre choix. Et pour faire les traits, vous savez, dans le nez du cochon. Ensuite, une aiguille à laine, des épingles, un marqueur. Donc, je précise, parce que vous avez dû regarder, c'est une boucle d'oreille. Moi, j'ai une boucle d'oreille. Bon, ça marche très bien. Voilà comment je marque le début et le commencement, enfin le début de mes rangs quand je travaille en circulaire. Ensuite, un crochet de 3,5 et des ciseaux. Voilà. Donc, on va commencer par faire le nez du petit cochon. Donc, cette partie-là. Voilà. Donc, pour le commencer, on fait un nœud coulant. On fait une maille en l'air pour le fixer. Voilà. Donc, là, on a notre nœud coulant. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. Voilà, donc une, deux, trois, quatre, cinq et six. Une fois que j'ai fait mes 6 mailles serrées, je tire de mon nœud coulant bien fort et je vais unir à la première maille serrée que j'avais fait par une maille coulée. Donc ici, hop, voilà. Maintenant, ce qui suit, je vais faire une augmentation dans chaque maille. Donc, j'avais 6 mailles serrées, au total, j'en aurai 12. Donc, je fais une maille en l'air. Tous les rangs se commencent comme ça, une maille en l'air. Ensuite, ici, immédiatement, je vais faire 2 mailles serrées, une et deux. Dans la maille suivante, je vais refaire 2 mailles serrées. Et je vais continuer d'augmenter toutes mes mailles. Comme ceci, j'aurai 12 mailles serrées au total. J'ai terminé. Je l'unis par une maille coulée. Hop, comme ceci. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est encore une maille en l'air. Une maille serrée individuelle, donc toute seule, et dans la suivante maille une augmentation, donc deux dans la même maille. Vous allez continuer en faisant une maille serrée toute seule normale, dans la maille qui suit deux ensemble, donc une maille serrée individuelle et une augmentation. J'ai terminé mon rang, le troisième rang, donc j'ai 18 mailles serrées au total. J'unis au commencement et je vais attaquer mon quatrième rang. Donc le quatrième rang, vous allez faire une maille en l'air. Ensuite, vous allez faire deux mailles serrées individuelles, une et deux. Et dans la troisième maille, une augmentation. Donc deux mailles serrées dans la même maille. Et en tout, vous allez obtenir 24 mailles serrées. J'ai terminé le quatrième rang, donc ce que je vais faire c'est unir avec une maille coulée au commencement. Et ensuite je vais faire une maille en l'air et je vais faire 4 mailles serrées individuelles, mais en prenant que la partie arrière de la maille. Donc une, deux, trois, quatre. Et ici, on va faire une diminution.
Donc, comment faire? On pique dans la partie arrière de la première maille qui vient là. On tourne le crochet comme ceci et on pique dans la maille suivante, dans le brin arrière aussi. Donc, on a deux boucles sur le crochet ici. Ce qu'on va faire, c'est faire un jeté et passer à travers ces deux boucles. Et maintenant, finir par une maille serrée normalement. Donc, comme ça, on a fait une diminution. Vous allez répéter ça tout le rang. Maintenant que j'ai terminé, je l'unis. J'ai terminé par une diminution. Donc, j'unis à la première maille serrée que j'avais fait par une maille coulée. Et maintenant, vous allez faire deux rangs en tricotant les mailles serrées normalement, sans diminution, sans augmentation. Donc, normalement, mais en prenant la maille par les deux brins. Donc, normalement, fais une maille en l'air. Regardez, je les prends normalement. Je pique normalement. Donc, vous allez faire encore deux rangs de mailles serrées normalement. Donc, au total, du commencement jusqu'au final, on aura sept rangs. Donc, j'ai terminé. En tout, j'ai 7 rangs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est changer de couleur. Donc, déjà, je vais couper ma laine rose puisque je ne vais plus du tout l'utiliser. Voilà. Je vais prendre ma laine jaune. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi de faire le cochon. Maintenant, vous pouvez l'utiliser n'importe quelle couleur. C'est rigolo, vu que c'est des nounours, on peut se permettre. Donc, on va infiltrer la nouvelle laine ici. Donc, je la rentre comme ceci et je tire bien mon fil rose. Donc là, je suis prête pour commencer. Je prends mes deux petits fils dans la main gauche parce que je vais profiter de cette occasion pour les cacher. Donc maintenant je fais une maille en l'air et je peux commencer mon rang. Donc là tout de suite où j'ai commencé, je vais faire une maille serrée. Dans la suivante, une autre maille serrée. Dans elle d'après, encore une maille serrée. Et dans la quatrième, ce que je vais faire, c'est faire une augmentation. Donc deux dans la même maille. Une. Et deux, toujours en cachant mes fils. Donc vous allez faire tout le rang en faisant comme ceci. Trois mailles serrées individuelles, une augmentation. J'ai terminé. Donc maintenant, je ne vais plus l'unir. C'est terminé. Donc tout le corps, on va travailler en circulaire. Donc il n'y aura pas une espèce de couture ou quoi que ce soit, rien du tout. Donc comment je fais? Je monte directement ici où j'ai commencé. Donc je monte et je fais ma maille serrée. Mais pour pas que je me perde ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais marquer cette maille serrée. À chaque fois que je vais commencer, je vais la marquer. Donc moi, système D, j'ai une boucle d'oreille. Mais vous pouvez avoir un marqueur, parce que ça s'achète, il y en a dans les magasins de laine. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et dans la cinquième, une augmentation. Une et deux. Vous allez faire tout le rang en faisant 4 mailles serrées individuelles. Et dans la cinquième, vous faites une augmentation. J'ai terminé mon neuvième rang. Maintenant, j'ai 30 mailles serrées au total. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'enlève mon marqueur. Je fais ma première maille serrée de mon dixième rang. Je la remarque. Voilà. Et maintenant, je commence. Donc, j'en ai viens d'en faire une. Je fais la deuxième maille serrée, troisième, quatrième et je refais une augmentation ici. Donc en fait c'est la même chose que le rang d'avant. Je fais mon augmentation. Ensuite vous allez faire tout le rang comme ça. 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à terminer le rang.
J'ai terminé. Donc maintenant, le rang numéro 11 et le rang numéro 12, vous allez faire des mailles serrées normalement, sans augmenter, sans diminuer, sans rien faire. Donc, vous enlevez le marqueur, n'oubliez pas. Vous faites votre maille serrée. Vous remettez le marqueur. Et vous faites toutes les mailles serrées normalement. Donc n'oubliez pas, là, le 11e et le 12e rang, normalement. Et vous allez avoir 36 mailles serrées au total. J'ai terminé mon 12e rang. Donc je vais commencer le 13e. Donc je fais ma première maille serrée. Je marque tout de suite, pour pas oublier, avec mon marqueur, hop, cette maille serrée. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et à la neuvième maille, je fais une augmentation. Une et deux. Donc, vous allez faire ça tout le rang. 8 mailles serrées individuelles et une augmentation. J'ai terminé donc mon rang numéro 13. J'ai 40 mailles serrées au total. Donc ça, c'est très important. Si vous avez, si vous suivez mes instructions, vous avez 40 mailles serrées. Donc, maintenant, je vais commencer mon 14e rang. Ma première maille serrée, je la marque. Voilà. Et je vais faire 3 rangs de mailles serrées normalement, sans faire d'augmentation ni de diminution. Donc, encore 3 rangs comme cela. Donc, le 14, 15 et 16. Maintenant, on va commencer le rang 17. Donc, on va commencer par faire 8 mailles serrées individuelles. Une. Donc une et je la marque tout de suite avant d'oublier. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et 8. Dans la maille 9 et dans la maille 10, on va faire une diminution. Donc, on va attraper le brin de devant de la maille. Ensuite, on tourne le crochet et on prend le brin avant de la seconde maille. Ensuite, on fait un jeté, on les passe à travers ces deux boucles et on fait notre maille serrée normalement. On va le refaire. Une, deux. D'abord, je fais mes 8 mailles normalement. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, dans la neuvième maille, je prends le brin de devant, comme ceci. Ensuite, je retourne mon crochet un petit peu comme ça, je le fais un petit peu pivoter et je prends le brin avant de la dixième maille. Ensuite, je fais un jeté, je passe à travers ces deux boucles. Je refais un jeté, je fais ma maille serrée normalement. Donc, vous allez faire ça tout le rang, 8 mailles serrées individuelles et une diminution. J'ai terminé le rang 17, donc j'ai 36 mailles serrées. Maintenant, le rang 18, vous allez le faire normalement sans diminution. On va passer au rang 19. Donc, le rang 19.
On va faire 4 mailles serrées individuelles. Donc une, deux, trois, quatre. Et une diminution. Donc, je vous ai appris comment la faire. Hop. Quatre mailles individuelles. Trois, quatre. On prend le brin avant de la maille qui suit. On reprend le brin avant de l'autre maille. On fait un jeté. On passe le fil à travers ces deux boucles. Et là, on fait notre maille serrée normalement. Vous allez continuer comme ça en faisant 4 mailles serrées individuelles et une diminution. J'ai terminé le rang 19. J'ai 30 mailles serrées. Et le rang 20, vous allez crocheter ces 30 mailles serrées normalement. J'ai terminé le rang 20. Donc maintenant, je vais faire le rang 21. Donc le rang 21, c'est 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. Le brin avant d'une maille, le brin avant de la seconde, un jeté, on passe à travers ces deux boucles et on fait une maille serrée. Donc là, on a fait une diminution. Ensuite, vous allez continuer comme ça, 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Le rang 22, vous allez faire un rang entier de mailles serrées normalement sans diminution. Et après, on pourra remplir le corps du petit cochon avec le silicone, avec la mousse. J'ai terminé le rang numéro 22. Maintenant, ce qu'on va faire avant de commencer le 23, c'est... Donc, vous tirez un petit peu comme ça pour être tranquille, que ça ne se défasse pas. Et puis, on va remplir le corps du petit cochon. Donc, on va prendre la mousse. Alors. Moi, je me sers d'un coussin qui s'était cassé. Donc, je profite pour prendre la mousse qu'il a à l'intérieur. Et avec un coussin, je précise que des petits nounours comme ça, on peut en faire mais plein, plein, plein. Donc, vous le remplissez de manière qu'il soit bien dur quand même. Mais vous pouvez voir que, vous voyez, dans cette tactique, quand on fait des nounours, etc., des personnages comme ça, ils restent toujours très, très durs déjà. Ils restent bien... Vous voyez, il y a une forme qui reste. Puisqu'on utilise toujours de la laine beaucoup plus grosse que le crochet. Donc du coup, l'ouvrage, il reste bien, bien tendu. Voilà. Donc vous allez bien le remplir. N'hésitez pas. Voilà. Une fois que j'ai terminé de bien remplir mon cochon, vous voyez, quand j'appuie, c'est bien rempli. Donc, quand j'ai bien fini de faire ça, on va attaquer le rang 23. Donc j'enlève mon marqueur et on va commencer à faire des diminutions. Donc on a 24 mailles serrées là au total. On va diminuer de partout. Donc du coup, on va avoir 12 mailles serrées au total. Donc on commence directement avec les deux premières mailles à faire la diminution. Voilà, on met le marqueur. Et vous allez continuer à faire des diminutions. Voilà, donc le dernier rang, donc j'ai 12 mailles serrées. Le dernier rang, vous allez refaire la même chose, des diminutions de partout. Donc vous allez avoir 6 mailles serrées. Une fois donc qu'on a terminé, j'ai 6 mailles serrées. Vous coupez le fil et vous tirez. Et avec une aiguille à laine, vous allez cacher ce fil en cousant un petit peu pour qu'il n'y ait plus du tout de trou.
Donc, vous allez prendre le brin de chaque maille. Et ensuite, vous allez faire un tout petit nœud, rentrer l'aiguille dans le cochon, la ressortir n'importe où dans le corps et tirer le fil. De cette façon, il sera bien caché. Donc là, nous avons terminé le corps. J'ai terminé de passer mon aiguille dans tous les brins. J'ai tiré. Maintenant, je pique. Donc là, au milieu. J'enfonce mon aiguille, je le ressors dans une autre partie du corps et je tire tout doucement pour pas que mon cochon se déforme. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, donc vous pouvez vous assurer que c'est bien fait. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais couper ce fil. Là, il ne se perdra plus, il ne va plus jamais ressortir. Donc là, c'est bien sécurisé. Voilà. Comme ça, vous devez avoir le corps de votre cochon de fée. Voilà. Donc maintenant, dans la deuxième vidéo, vous trouverez comment faire sa petite queue en tire-bouchon, ses oreilles et ses pattes. Voilà.